Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cet ultime épisode de l'aventure FF16. Nous y sommes enfin, l'épisode risque d'être assez long. Évidemment, je pense que voilà, il y a des gens qui n'ont pas suivi toute l'aventure, machin, etc. Mais peut-être que vous allez passer par ici pour savoir un petit peu ce qu'on en a pensé. Je ferai un bilan total à la fin, d'accord, au moment des crédits. Juste, comme toujours, pour ces aventures-là, j'aime vous remercier et vous accueillir avec ça parce que vraiment, c'est tellement cool, en fait, à chaque fois, de pouvoir partager des jeux de cette manière, et puis de pouvoir vous les faire vivre aussi dans ces conditions avec les montages et tout ça. Et c'est vrai que, plus que jamais, je trouve que voilà, on est sur un Final Fantasy qui a un gabarit assez cinématographique, avec de vrais gros instants forts. Je pense évidemment à tous les combats de Primordio, mais pas que, on a eu des séquences de dialogue qui étaient folles. J'ai en tête des choses qui m'ont marqué, comme par exemple, même si on ne l'aime pas, tout ce qui entoure la mère de Joshua et tout ce qui entoure tout le passage avec, du coup, Dion et notamment toute la partie succession, etc. Vraiment, cette partie-là était folle. Tout ce qui concerne également Benedicta sur la découverte du jeu, le premier antagoniste, en fait, véritable, qui se développe petit à petit et qu'on essaie de voir un peu, voilà, et qu'on va redouter et qui va être un combat assez mémorable, faut quand même le dire. Et puis, tous les efforts qui sont faits d'un point de vue de Ultima, en fait, parce que vraiment, il y a l'histoire du jeu, il y a l'histoire de Clive, et puis il y a l'histoire de ce qui entoure les terres, les cristaux, et toute cette partie-là qui nous est révélée là en ce moment, je trouve que c'est très très réussi, quoi. Donc, c'est un jeu que j'ai très hâte de refaire, mais dans un moment, pour déjà le faire sans les attentes, et puis aussi pour le revoir d'un œil un peu acquis, on va dire, hein, parce que voilà, du coup, c'est bon, ok, le jeu me plaît. Et puis derrière, en sachant un peu de quoi ça parle, dans les lignes un peu plus diffuses des choses où, en fait, certains événements, je pense, auront une lecture un peu différente. Donc, bref, on va ici terminer FF16, et j'espère qu'on va passer un bon moment, mais j'ai peu de doutes, parce que depuis le début, on prend le max côté mise en scène. Ma seule question intérieure, là, c'est, ok, mais on va vers quel type de conclusion? Je mets ma bille sur un truc, c'est qu'on est sur un jeu qui est très inspiré de Ivalice et Final Fantasy Tactics. Et donc je pense que le personnage qui nous a accompagné tout le long, là dont j'ai échappé le nom, c'est lui qui terminera le dialogue de fin, c'est lui qui va raconter l'épopée de Clive, machin, etc. Je pense que les deux frères vont mourir. Et je pense qu'on va être un peu dans les larmes de ce point de vue-là, avec notamment une séparation assez douloureuse vis-à-vis de Jill, notamment. Et je pressens le petit teasing sur finalement la fresque qui a une autre version et qui peut-être révèle encore d'autres choses qui pourraient peut-être d'ailleurs corréler avec l'idée d'un Leviathan ou un truc comme ça. Bref, je n'en dis pas plus, ne spoil rien. Et profitons. C'est parti. So this is Origin. A far cry from heaven.
Where it all began. Where it all begins. Our Ark. Your architect. There you are. It was here that we slumbered. Here that we waited for centuries, clinging to our decrepit shell, for fear that we might have need of it once again. But you have come at last. And now we shall be truly complete. Well? There's three of us, and one of him. Let's make it count. Bah allez, c'est parti, hein. Pouah, là, le spectacle est garanti, ça se sent. La zik est incroyable et je le dis, je le redis, Ultima, franchement, trop cool comme antagoniste. Le doublage, en fait, et tout l'effort de post-prod sur la voix, tout ça, il y a vraiment quelque chose, quoi. Donc non, c'est très agréable. Donc là, on a Ifrit Phoenix Bahamut, hein, vous avez vu. Donc potentiellement, on risque d'avoir la Megamax. On l'avait un peu cool, hein, ceci dit. Oh là. Rétamé en QTE, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement shonen, ça se fait trop plaisir par ici, là. Merde. Mauvaise touche. Oh là, la triple attaque, c'est tellement déraisonnable, mais pourtant c'est si beau. Et la zik, mais au secours. Thank you.
Waouh. Ok, donc là tu sais que c'était le moment où il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas de machin, c'est juste, allez t'inquiète, profite. Et bah punaise, c'était vraiment très chouette. Et très drôle parce que vraiment je repense toujours de manière émue à ce moi enfant qui découvrait les FF et tout ça. Et ouais non, vraiment j'aurais jamais imaginé qu'on vivrait ce genre de séquence un jour dans nos vies quoi. C'est trop balèze, c'est vraiment trop balèze. À cette époque où tu disais oh là là mon dieu mais Alexander machin etc, c'est tellement beau, oh là, un jour peut-être qu'on pourra jouer comme ça. Et en fait aujourd'hui c'est considéré plus ou moins moche et voilà ce qu'on est capable de faire. Non c'est vraiment impressionnant. And you only surrender, this unpleasantness could have been avoided. Je pense que j'ai ressenti un peu le plaisir des gens qui ont fait cette séquence et qui voulaient juste faire un délire Dragon Ball et qui se sont juste trop fait plaisir. C'était magnifique. It is done. No! Did I mention you look terrible? That makes two of us. Oh, I'll be all right. And Dion,
told you, I'd be... Come on. Thank you. Press on. Always. Ah, la petite séquence où on porte. Un des trucs que j'ai trouvé vraiment les plus marquants dans ce jeu, c'est pas tellement le personnage principal, parce que je trouve que bah voilà, ça reste un personnage qui est très chevaleresque, très très bon finalement, et puis sans trop de nuances, même s'il y a quand même ce moment où il se rachète et tout ça machin, et où il essaie de se reconstruire, ça c'était plutôt pas mal. Mais par contre, l'interaction entre les deux frères et leur lien de fraternité justement, enfin vraiment, ça j'ai trouvé que c'était absolument brillant quoi. Il y a vraiment un truc qui se dégage de leurs échanges et depuis leur retrouvaille en fait, il se passe vraiment quelque chose dans l'ambiance du jeu où tu sens que ouais, c'est pas tellement l'histoire d'un personnage, mais c'est plus leur histoire à eux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement assez rare, je trouve, dans les jeux vidéo. Alors tu le retrouves un petit peu ailleurs. Je trouve qu'il y a un peu de ça dans Fullmetal Alchemist par exemple en manga. Mais là encore, c'est différent quoi. Et c'est vrai que ouais, Clive sans Joshua, c'est pas pareil, et Joshua sans Clive, c'est pas pareil non plus. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc une alchimie qui opère vraiment très 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 bien. Et là on est prêt pour aller dans une salle qui a l'air plutôt intestable. Self-preservation. You condemned an entire world so that you alone might escape death. Alone. Him. Alone. Life. I think I understand. He... of crystal that pumped the land's lifeblood from the depths of the earth unto this very chamber. And thus would they labor still, long after their work was done, had you not set them free. You meant for us to destroy the mother crystals. It's what you wanted all along. You have our gratitude, Newthos. In this you have served us well. You have both served us well. Welcome home.
brother. Joshua? I thought it was me, but it wasn't my grasp that grew weaker. It was theirs that grew stronger. Joshua! No! And now we can become one. Of Ifrit and the healing flames of the Phoenix. This I once believed would be Ultima's true form. But I was wrong. I see it now. Why you will never become Ultima's vessel. I don't care. Just hold on. Listen to me, Clive. You remember the murals? People once knew that Ultima was their god. That he created them. And they worshipped him, prayed to him, looked to him for guidance. In vain. In vain. For he did not listen, did not acknowledge our will. And so we strayed from his path to forge one of our own. So absorbed was he in his own desires, so driven by his own will alone, that he shunned the one thing that could have made him truly powerful. Faith. The same faith people now place in you. Faith that you will fulfill their dream, Sid's dream, of creating a better world for us. Faith that you will follow in Father's footsteps and save those who need saving most. Faith that you will answer Jill's plea to save yourself. The difference is, Clive, that you chose to listen, and that is what has steeled our bonds. Bonds that helped you stand firm when Ultima's pull was at its strongest. His power may be absolute, but so is ours, and so will yours be. With my light in your heart, not even a god might stop us. Joshua! Don't do it, you're... Enough, Clive. My body is too far gone. If the wound does not take me, the curse will. No. It is the world that needs.
Thank you, Clive. For being my brother. J'avoue, ça m'a touché. Il manquait le petit I love you brother là et on était parfait. Hein. Pouah, la scène. Look at me, Joshua. Open your eyes. Open your eyes, damn you. Why? Why did you do this? Joshua! Joshua! And thus does the final piece fall into place. The incantation primed, but one task remains. To empty the vessel. L'acting, il est impeccable. Pouah, c'est prenant. With me. To the end. Even now, you would deny the inevitable. That's what you always have. And always will. On this, my sword, I swear, to shield the Firebird's flame forevermore. Eh ben allez, c'est parti pour le boss final. Punaise, quelle scène, mais quelle scène. C'était vraiment trop bien et trop intense, quoi. Fouah, fouah, fouah. Et c'est fou, parce qu'en plus, la personne qui fait le doublage de Clive, c'est pas quelqu'un qui est très connu dans le monde du doublage. Bon, je crois même que c'était son premier rôle de cette envergure. Et là, pourtant, le travail est absolument exemplaire, quoi. C'est vraiment le genre de personne qui, j'espère, sera récompensé, salué par la suite. Après, j'ai du mal à l'imaginer galérer pour trouver des prochains contrats, quoi. Parce que là, vraiment, le taf est bluffant, ce personnage on y croit, cette émotion on y croit, ce duo aussi, enfin c'est vraiment fou. La seule chose que je regrette un tout petit peu, mais bon ça c'est personnel parce que je vous en avais parlé depuis le début, c'est le moment où Sid nous dit « Ah oui au fait, faut que tu casses tous les cristaux, tout ça » et Clive en deux secondes dit « Ah ouais d'accord !» Et ça se termine un peu comme ça. Et c'est vrai que là, le fait que la révélation finale c'est « Ah ah ah, en fait quand tu les tues tous, tu me libères !» Bon, on va pas dire qu'on l'a senti venir, mais disons que c'était un peu sûr quoi, donc... Juste dommage d'avoir pu anticiper ça, mais après à côté de ça, tout est nickel, hein, vraiment. La partie émotionnelle du jeu est vraiment trop bien. Allez, on se bat, c'est parti. Donc là, on va montrer à ce Ultima ce qu'on sait faire. Oh, joli. Ultima qui est ultimement FF14-esque. Et tant mieux. Ah, alors attention. Alors je rappelle que avec Shiva on peut geler. Ce qui a un petit mérite, celui de nous faire
Le ralenti parfait. Ah, il a... Ah, ça marche peut-être pas sur les attaques... Ouais, ça marche peut-être pas sur les attaques magiques. Allez, on se décale. Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus du tout de potions. Par contre, j'ai oublié d'en prendre avant de partir. Bon, la vie est bien descendue. On y va. Allez, c'est parti. On va commencer à se battre pour de vrai. On va commencer par ça parce que ça fait quand même bien baisser la jauge. Ah. Countless centuries have I waited for this moment. This moment in which I might revel in my creation. Only to find it profaned and so. It must be cleansed. Ok, là on parle. Voilà une vraie arène de jeu. Unexpected. How is it that your will yet endures? Because it's not so easily broken. But it can be broken. And I shall see it so. For such is my will. Try it. Ok. Ok. Pas de problème. Aïe. Il pique un peu. Ah mince. J'avais pas compris que c'était le mid-bar. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Mince, pas du tout. Ouah, je me suis. Oh, j'ai pris tellement cher, je me suis loupé complètement. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et ça. On va le faire tomber en fait. Non, le feu. Attention, les flammes quand même. Et là, hop là. Non. Faut pas que j'aille dessus parce que je vais encore me faire piéger bêtement. Et bim! Ah, déçu. Oh non, tellement d'efforts pour rien! J'avais plus la compétence. Pas le bon move à mon avis celui-là. Mais celui-là, oui! Alors tu fais quoi là? Et on fait tomber. Bam. Bam. Allez, esquive. Bon, y'a rien à dire, Titan, ça aura vraiment été mon gameplay préféré. Et de si loin. Tellement parfait, quoi.
tellement, tellement parfait. C'est jouissif, en fait. C'est vraiment jouissif. Tout ce gameplay de contre, là. Il y a vraiment rien de plus agréable dans le jeu que ça. Ah, j'ai raté le contre. Voilà. Salut. Why? What latent force feeds these flames? I sense more here than mere will. Is this Logos? Have you truly become free? No, I forbid it. You are not a god. You are but flesh and bone. You are not one of us. I created you, all of you. And what is mine is mine to destroy. Once, perhaps. But we are no longer yours. Our flames are our own, and they burn as one! Bon ben voilà, on a la réponse. Comment on fait mieux que le... Comment dire ? Que la vue de planète ? Le trou noir, tout simplement. En plus, combat semi-aérien, très bon move. Wow ! J'avais oublié ça. Ça pique. Ça pique fort. Oh là 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 là. Oh le gameplay Ifrit là, il est tellement tellement agréable. Indécent. Oh il a zig. Zig de combat final, c'est ça qu'on aime. On l'a cassé. Allez, tombe. Ça fait mal. On aurait peut-être dû le faire plus tôt. Allez, ça pique. Quasiment midlife. Aïe, 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 aïe. Wow. Oh, comment ça se lâche sur la bande son.
Allez, envoie tout ce que t'as, Clive. Je les sens pas du tout, ces flammes. Ok, alors il y a des petits contres à faire. D'accord, ok, ça va assez vite. 40, ça va, on est large. Quoique. Ah mince, ok, il nous repousse. J'arrive pas. Voilà. Très important, je pense, de réussir à faire les contres. Pour faire les contre-attaques associées. 30. Ah mince. J'aurais dû faire en contre. Waouh. Allez, parfait. 3 fois. Nickel. Et là, on envoie. Allez, ça va le faire. 20. Ok, faut 28 yeux. Mais ça passe. Ça va le faire. On connaît par cœur maintenant. 2. 3. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qui va passer? 1. 2. Et on boucle. Et maintenant, faut achever. Allez. Boum. J'aurais dû faire les attaques dans l'ordre inverse. Je pense que j'aurais fait plus de dégâts, mais c'est pas grave. Wow, la sublimation qui tape quand même. On voit rien mais on voit tout. On joue pas avec les yeux, on joue avec le cœur là. Et on esquive un peu avec le cul, je l'avoue. Allez, on repart sur le pattern de début qu'on connaît par cœur. Wow, c'est quoi ça? Ah, ok. Ça bouge. Et là... Un, deux, trois, et on est bon. Et on envoie. À bout portant. Allez, prends ça. Alors attention, parce que là, il y a quand même des choses à esquiver. Mais on est tellement large. Aïe. Et on boucle. Allez, c'est bon. Déstabilisé, on sait faire. Ah, si seulement j'avais pas loupé la compétence, mince.
Quel imbécile! J'ai oublié de charger! Alors que c'était là qu'il fallait tout envoyer! Alors vous avez pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai fait que les esquivables, c'était magnifique. Et là, on va terminer tranquillement. C'est parti! Profitez! No. No. My will is inviolable. Something is wrong. You're afraid. You always have been. From the moment the Blight exposed what you were, weak, you conceived us to prove otherwise. But the result shook you to the core. For in us you saw yourself, and realized we had the potential to be more than you could ever be, and so you turned your back on your creation. You're back on the world, like the coward you are. You think you know me? You know nothing, Logos. Nothing! I stand above you, my rebirth complete. And you, for your defiance, shall pay the proper price. An eternity of anguish. Anguish. Pain. Suffering. You have known none of these. But we have. So we know what they grant. They bring us together. Ah oh là 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 là, c'était tellement, tellement inespéré. Je pensais pas qu'on aurait un autre combat. Et donc la finale se fera à taille humaine, avec une version finale d'Ultima pas mal du tout. Hein. C'est vrai que on se rapproche de plus en plus du design original tel qu'on le retrouve dans FF Tactics. Wow, attends, il se passe quoi là? Allez. Ok, je me mange toutes les invoques dans la tronche en fait là. Absolument génial ça. Ouais, j'étais un peu trop espéré. Oh non, ça a marché! Oh, c'est incroyable, je l'ai fait au pif, je pense pas que ça marcherait. Allez, on va charger notre meilleur Zantetsuken du coup. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh, ce système d'esquive, c'est vraiment du caviar quand même! Y'a rien à dire! Let the tempest rage! Nice try! Allez! I will crush you! Et c'est parti. Ça, c'était pour la forme. Maintenant, on joue. Ah, j'ai raté l'esquive. Ah ouais, on se prend vraiment la somme de tous les patterns. Il est incroyable, ce combat. On a les attaques de Titan, de Garuda. Tout à l'heure, là, c'était l'attaque du Dragoon.
Ultima, quoi. Alors, est-ce que ça suffit? Dommage. Allez, tombe. Bon, il y a eu un petit échec. C'est pas très grave. J'aurais dû faire l'autre, c'est pas très grave. Ça fait durer le plaisir. Pardon ? Alors ça c'est très très bien en termes de mise en scène, ça me plaît beaucoup. On te bat sur toutes les invoques, gars. Titan. La Jojo scène. Oh là 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 là. Ok, ça s'est vraiment fait plaisir. Alors maintenant on va manger. Oh là, la reine qui change et tout en plus là. C'est ça. Donc là on va manger Bahamut et les autres. Ceci est un vrai combat de fin. Avec Shiva et Odin. Pouah, le pattern il est incroyable. Ça se moque pas ici, ça se moque pas du tout. Mais on est là parce que c'est juste trop agréable à jouer. Allez. Allez. Ça, on sait le gérer. Ah mince. On bourre. Ah mince. Allez, c'est parti. Allez, j'aurais pas dû attaquer vers lui. Je sentais forcément mauvais. Allez, gel. Et tant qu'à faire. Bam. Et bam. Et on va faire avec ça. Ça aurait pas été le summum des dégâts. Les attaques qu'on a fait, mais alors par contre c'était vraiment le summum du plaisir pour moi. Fly. Ça vient de nulle part. Mais pourquoi vous faites ça? Incroyable. Référence à Dragon Quest. C'est pas du tout Kamehameha, c'est le Dorohedoro. Mais pourquoi? Together. Ah,
là 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 là, mais quelle idée ce combat! Quelle idée de faire justement comme ça le match-up musical et scénique de tout ce qu'on a vu en termes d'invoque et tout ça! Et c'est trop bien! Le Doppelganger, au début, je me disais, ah, c'est dommage d'avoir un double. Et en fait, mais pas du tout, c'est trop bien, on le bat sur tous les plans! Oh la zik! Oh la zik! Oh, je me tais, on profite! Oh là 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 là, c'est vraiment, vraiment un combat de fin à la hauteur de tout ce qu'on a vu dans le jeu, c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien. C'est aussi la somme du gameplay, c'est la somme de plein de choses, enfin non, c'est très 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 bien vu. Hein. Peut-être moins dans la mise en scène et dans le spectaculaire et cinématographique que les autres primordiaux. Mais tellement bien amené en fait. Allez. Il est temps d'en finir. Ouais, je commence à galérer. Ça fait trop longtemps que je suis très concentré pour faire les contres et tout ça, j'y arrive plus. Mais c'est quoi ces AOE de ouf là? Allez, j'ai mon Zantetsuken qui est prêt. Ouais, j'ai pris si cher sur Ultima là. Ok. Ça va le faire. Ça va le faire. On va faire ça comme ça. Et comme ça. Et là on est à un contre d'un truc cool. Wouah! Wouah, magnifique son attaque. Oh, le miracle, il fait si mal aussi. Allez, on fait monter la jauge. Et c'est parti. Et ça ne suffit pas. Allez, 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 allez. Il n'y a plus de potions, il n'y a plus rien là.
sure of your place atop the world, you refuse to acknowledge those below. You chose to remain alone. And so you shun the one thing that could have made you stronger. Pushed away the hands that could have raised you higher. I do not need you, you or anyone. And that is where we are different. I could not have made it here on my own. I carry with me the hopes and dreams of my brothers, my sisters. And it is they who will give me the strength to end your reign. Et c'est pas fini, mais ça s'arrêtera jamais, c'est pas possible. Ok, on nous fait vivre le fait qu'on le surpasse en fait, pour de bon. Donc là, on comprend évidemment le parallèle. Hein. Voilà, Final Fantasy, comme vous l'avez connu, c'est fini. Je pense que là, c'était clair. C'était ce dialogue qui justifie tout et qui dit « Non mais en fait, ça y est là. ce rêve-là est terminé. On passe à autre chose ?» Pretty. A sorry tale of sin and suffering, hardship and pain. And it was for this that you fought so fiercely? Why? It's who we are. We fight. We survive. We endure. We don't need a reason. We are imperfect creatures. When we stumble, we reach for a shoulder to lean on. When we fall, we stand back up. We see the horizon, ever out of reach, and still we march on. Certain the answers lie just beyond it. Because that is our way. Congratulations. Relish this victory, knowing that you have but delayed the inevitable. Your world is already dead. May you enjoy an eternity on its blackened husk.
Oh. It seems Ultima's power was too great for this vessel all along. But while I have it, perhaps I can use it to set things right. And see Ultima's legacy. Bearers, dominance, crystals, magic. Consigned to the flames. Even if it means the end of me. Alors je pense que la musique ça va être un souci parce que ça sera pas du tout libre de droit. Donc du coup je suis désolé, je vais sans doute la baisser un petit peu histoire qu'on n'ait pas d'embrouille, même si bon voilà, normalement juste les quelques notes de début ont dû suffire à régler le truc. Clive qui arrive sur Inception, du coup attendez ça j'étais pas prêt. Que se passe-t-il? Putain, le jeu m'a fait pleurer quoi. Je n'en reviens pas. Bon, je vous laisse profiter de la musique. His name. What are you gonna call him? Let me see. Oh, Reed, little one. Got a smile for your Uncle Gov. Not so loud, you burp. What? I was only... Shh, you're scaring him. It's all right. A sky of scattered tears, a thousand years apart. Should they fade, I will not be afraid of the dark.
rest, I can take him. I'll hold you to that. The world's yours now. Yours to do with as you please. That's what Sid wanted. That's what they both wanted. Ok, là c'est bon, c'est la musique que je dois couper absolument, je suis désolé, c'est le thème qui est chanté par un chanteur très connu au Japon, j'ai plus son nom exact. L'adieu au destin. C'est très drôle, c'est très très drôle, il y a tellement de choses à dire sur cette fin. Je sais que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir absolument raccrocher les fins des jeux et les messages un peu prononcés par les personnages comme ceux des gens qui ont bossé sur les jeux. Il y a vraiment ce truc-là, je trouve, dans Square Enix, dans les jeux récents. Et dans FF15, il y avait eu ce moment qui m'a marqué, parce que justement, il y avait le côté avec le prince Noctis qui est là et qui dit « voilà, bon, bah, ok, on a fait ce qu'on a pu, on a fait machin, etc. » Et c'était assez facile de le raccrocher aux pensées de Tabata et tout ça. Et j'ai du mal à imaginer que, peut-être pas Yoshida, parce qu'il était que producteur, mais en tout cas de la part des gens qui ont fait ce FF16, j'ai du mal à imaginer que les mots de Clive ne soient pas un peu adressés à cette quête. Et là, même la phrase de fin, il y a vraiment ce truc de « bah voilà, la quête des cristaux s'achève enfin, quoi. » Où tu te dis « bah voilà, on y est, c'est fini. » Et tout le message autour du fait de détruire un peu cet imaginaire des cristaux, cette mythologie et un peu cet héritage de Final Fantasy, de l'épouser, et puis après de lui dire « bah voilà, en transition, quoi. » Et même tout ce qui s'est passé sur le dernier dialogue de Ultima et tout ça. Et encore après, enfin, il y a vraiment, vraiment plein de choses que je trouve sont assez intéressantes. Et donc, du coup, revoyez toute cette scène en pensant à ça. Mais peut-être que, du coup, vous allez y voir autre chose. En tout cas, je sais que bah, ça m'a parlé. Et ouais, punaise, j'ai pleuré, je pensais pas. Mais le dialogue avec le frère, au secours, quoi. Waouh là là. Ah, oh, le fait de... Bon, on imagine qu'il l'a sauvé, hein, mais... Ah, le fait d'avoir ce grand frère avec son petit frère dans les bras et qu'il lui dit... Voilà, attends, je vais repleurer, non, attends. Mais enfin voilà, en gros ce truc de c'est la transition, c'est toi qui dois vivre en fait, et de le revoir sur ces différentes époques et tout ça, les voir traverser tout ça. Ah, oh, c'était, ouais, vraiment la fraternité, c'est le mot qui me restera dans cette épopée, et ça m'a atteint de bout en bout, quoi. Donc non, vraiment super super balèze, quoi. Donc ouais, c'était très intéressant, c'était vraiment très intéressant comme jeu. Alors évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, je pense que voilà, les bas ont fait des bas, donc on va peut-être pas revenir sur tout, mais c'est vrai que moi, le truc qui me faisait le plus peur dans ce jeu, quand j'ai eu douté, c'est-à-dire après Garuda, quoi, où là je me suis dit, oula, c'est long, on se fait un peu chier, et puis même c'est quoi cet effort de mise en scène qui disparaît, est-ce que ça veut dire que la suite sera comme ça, et qu'en fait juste le début était là pour accrocher, mais après ça va être une douce souffrance, quoi. Et en fait, le jeu a eu ses hauts derrière, et puis bah voilà, la séquence de Titan, c'était trop bien, et puis dès l'arc Bahamut, en fait, tout m'a convaincu quasiment. Et en fait, ouais, ce qui me faisait le plus peur, c'était que le jeu se perde un peu et qu'il ne soit pas maîtrisé dans ce qu'il essaye de raconter. Et je pense que, voilà, on peut le regarder par plein de biais, notamment le biais de ses références. Bon, Game of Thrones, ça fait beaucoup parler et tout ça,
Bon, finalement, je trouve quand même que passé le premier tiers, Game of Thrones, on n'entend plus du tout, quoi. Et enfin, on le voit plus du tout. Et même s'il y a le You Know Nothing, machin, etc. Et ce qui est bluffant, en fait, c'est que j'ai quand même vraiment ce sentiment qu'on m'a raconté quelque chose et que la finalité était cohérente avec le départ et que les éléments qui concernent l'ensemble de l'univers et l'ensemble des choses invisibles qui vont tisser un peu tous les liens entre les différentes capitales, machin, tout ça. En fait, ce truc-là que tu ne perçois pas beaucoup au début qui fait le cœur de Valistea, entre guillemets, il t'est révélé vers la fin et ça met le lien de « Ah ok, en fait, tout avait un peu un but, quoi. » Et c'est vrai que cette espèce de convergence des éléments narratifs pour arriver sur une finalité, ça m'a vraiment beaucoup parlé et je suis très rassuré de ça. Et donc, moi, ma seule vraie grosse attente concernant ce FF16, c'était que ça me parle et que ça me raconte quelque chose. Et j'ai eu l'impression qu'on a essayé de me raconter une histoire. Elle m'a plu, c'est autre chose, mais en tout cas, elle a été là. Et donc, c'était pour moi le plus important. Donc là-dessus, vraiment très 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 content de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. Et pas du tout déçu de toute cette partie-là du jeu. Moi, il y a des petits trucs qui m'ont un peu embêté. Je pense que déjà, il a fallu que je fasse le deuil un peu de ce que le jeu avait proposé, parce que... Bah ouais, je m'attendais vraiment à un peu plus de Final Fantasy, un peu plus de RPG. Très déçu de la partie, juste RPG en fait, c'est-à-dire inventaire, gestion de tout ce qui est compétences, machin, etc. Ok, tu chopes de la diversité de gameplay, mais côté statistique et tout ça, c'est poudre aux yeux, quoi. C'est-à-dire que le leveling dans le jeu, il sert à rien, enfin c'est là pour habiller, mais ça a pas de fond. Et c'est vrai que c'était un petit peu un truc qui m'a embêté. Et l'autre truc, d'un point de vue narratif, qui m'a un peu déçu, c'était vraiment le chien, quoi. Je trouvais qu'il y avait tellement de manières de rendre ce truc-là cool, notamment, bah voilà, une phase, j'en sais rien, moi, dans les montagnes ou quoi, où ils ont froid, et puis ils se retrouvent dans une cave, et puis, du coup, il y a le côté où, voilà, ils se serrent un peu les coudes, quoi, pour essayer de survivre ensemble. En fait, il manquait des moments un peu, désolé pour le mot, parce que ça, voilà, ça va faire troller, mais un peu intime avec Thorgal, pour que juste... Bah on les voit interagir parce que bah je sais pas si vous avez des animaux mais quand t'as un animal que tu chéris fort bah tu lui parles et puis il y a aussi plein de moments un peu tendre on va dire quoi. Et là il en a vraiment manqué, il y a eu des moments iconiques, le passage en Fenrir et tout ça, mais cette relation qui promettait beaucoup sur le départ avec justement le petit chiot machin et tout ça, elle a été vraiment très vite mise de côté, elle est dans le gameplay, mais je persiste, il a vraiment manqué de moments un peu à deux. Où les deux se racontent un peu des choses et ont des galères ensemble. C'est fait dans plein d'œuvres, donc vous pouvez le comparer de plein de manières différentes. Et après, même dans le gameplay, il a manqué un peu ce côté fable, en fait, où tu as le chien omniprésent à l'écran, avec peut-être éventuellement des interactions et toutes ces choses-là. Il y a effectivement une quête annexe qui apporte ça, mais on parle d'une quête annexe. Moi, je vous parle d'un truc qui aurait pu être dans la narration, en fait, au complet, qui aurait pu être intégré en tant que fil rouge, quelque chose qui aurait eu des rappels réguliers, quitte à en faire un personnage qui en plus t'accompagne à la fin, parce que tu le laisses en rade à la fin. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je trouve qu'il y avait plein de manières de le faire beaucoup mieux que ça, et en fait si ça m'a déçu, c'est pas parce que je m'attendais à ça et je l'ai pas eu, c'est parce que le jeu démarre avec ça. Ça démarre avec la relation avec le frère et avec le chien. Et on retrouve le chien, on a cette joie et tout ça. Et donc quelque part, le jeu t'annonce quelque chose. Et il ne le répond pas, il n'y répond pas. Et ça je trouvais ça un peu dommage. Voilà, c'était le seul truc. Mais sinon après, derrière, voilà, j'étais très conquis. Par énormément de choses, je pense que l'arc d'Ion c'est vraiment un arc qui va me rester pendant très longtemps, parce que tout cet aspect gouvernemental machin etc était très passionnant, et la finalité qui est un flashback où tu vois d'Ion qui balance le truc et tout, enfin, c'était très 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 cool. Et puis le combat de fin, vraiment la somme des gameplays, la somme de tout ce qui m'a fait plaisir dans le jeu quoi, en matière de compte, de mise en scène, de trucs un peu façon FF14 quoi, ce que savent très bien faire ces gens là, c'était un vrai plaisir quoi. Et pareil, je suis très bluffé de cette fresque qui est dessinée, où en fait on n'est pas juste là pour te raconter une histoire sur une temporalité courte et qui concerne un personnage. On te raconte quand même un peu l'histoire, un peu comme Matsuno, d'un monde en mouvement et d'un monde qui s'est construit et qui se construit. Et donc il y a vraiment ce truc où il y a plein de moments dans le jeu où tu vois que la temporalité elle est quand même assez large et l'évolution des personnages aussi. Et ça amène quelque chose. C'est-à-dire que sur le début c'est douloureux, vraiment le premier arc du jeu il est douloureux. Mais dès l'instant où t'as passé la transition avec Cid, là, en gros, tu vois comment l'ampleur prend vraiment de l'importance, et ça devient très intéressant. Donc non, là-dessus, pareil aussi, très 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 content de ce que ce jeu fait. Je pense qu'on est vraiment sur un très bon Final Fantasy, en fait. Un jeu qui va aujourd'hui être très contesté, parce qu'il prend ce parti de vouloir détruire, quoi. C'est vraiment ça, c'est un jeu qui détruit, c'est un jeu qui change, c'est un jeu qui transitionne. Mais quelque part, peut-être le dernier Final Fantasy d'ailleurs, c'est pas impossible, ça pourrait vraiment se terminer avec ça.
dans les canoniques, j'entends, enfin en tout cas dans les numérotés. Mais je suis convaincu que c'est un jeu qui aura une deuxième lecture bien plus tard, sur lequel les gens reviendront et se diront « Ah ouais, mais ok, en fait, dégager des attentes des gens en tant qu'œuvre, bah, c'est une œuvre extrêmement solide sur plein de choses et qui a énormément à faire vivre et à partager. » Donc j'ai hâte en fait de cette époque-là où le sujet sera moins chaud et où les gens sont peut-être un peu plus cool, iront vers le jeu pour juste le jeu, parce que le jeu les intéresse, et pas « Ah, c'est le nouveau Final Fantasy, j'y vais !» Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe avec chaque FF qui est sorti depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'il y a passé la vague de la sortie, c'est-à-dire des gens qui attendent le nouveau Final Fantasy pour les raisons qui leur parlent, mais en fait, tous ces gens-là sont tellement différents, parce que entre les gens qui ont découvert FF avec Mystic Quest sur Super NES, FF1 éventuellement pour les gens qui l'ont connu au Japon, ou alors FF6 parce que voilà, FF3 en anglais, machin, etc. Ou alors du coup FF7 parce que c'était l'arrivée du JRPG en grande pompe, ou même FF10 parce que c'était aussi une sorte de renouveau, ou FF12 avec le partenariat Evalis, machin, compagnie, ou FF13. Tous ces jeux sont extrêmement différents, donc ça crée des attentes extrêmement différentes, et tous ces gens-là en même temps attendent le 16. Et donc ça, évidemment, ça fait un message très brouillé. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce jeu, il va vivre, il va continuer d'exister, et puis, y a des gens qui vont le découvrir dans 10 ans, juste parce que, ah, je regarde des images, je vois tous les FF, et je me dis, tiens, celui-là, il m'intéresse. Les attentes seront très différentes, et je pense que pour ces personnes-là, ça va être une expérience vraiment très forte et très intéressante. Donc, je suis très impatient de cette période-là, et voir un petit peu comment ce jeu vieillira, tout simplement. Sachant que, derrière, voilà, il y aura aussi peut-être d'autres titres qui seront arrivés depuis, et ce sera aussi intéressant de les comparer. Et je pense que la différence fondamentale, désolé pour le taquet, je veux pas le faire, mais il faut quand même que je le dise, c'est que la différence fondamentale entre ce jeu-là et un jeu comme Final Fantasy XV, ou même Final Fantasy XIII, c'est que quand tu y reviens, bah tu as une œuvre quand même qui est le reflet d'une vision initiale qui a pu aller à son terme. Et je pense que en ça, ce jeu va vraiment très bien vieillir. Parce que le 15, quoi qu'on dise, aujourd'hui ça reste un jeu morcelé, et qui est la résultante d'un chantier quand même qui a été très pénible, et c'est une œuvre inachevée, avec énormément de charme, avec énormément de choses aussi, mais une œuvre inachevée malgré tout, et une œuvre un peu brouillée, parce que même la personne qui l'a initialement créée n'est pas la personne qui l'a terminée finalement. Et puis pareil pour FF13, où vraiment, voilà, il y a eu tout ce que je vous ai raconté dans le vue subjective, ok, depuis il y a eu la trilogie, machin, etc., mais il n'empêche que quand c'est sorti, et quand c'est sorti c'était prévu pour être un seul jeu, hein, les deux autres sont arrivés ensuite, quelque part, voilà, il y a aussi ce truc-là, quoi. Où, vraiment, c'était une œuvre qui a été la conséquence de toutes ces contraintes, alors que là, c'est la suite d'une vision. Et en ça, je trouve que ce jeu risque d'avoir aussi beaucoup de choses à nous raconter plus tard, une fois que tout sera passé. C'était très bien. C'était vraiment très bien. Je suis très content de ce FF16. Je suis très rassuré et très content. J'ai eu des doutes, j'ai vraiment eu des doutes, je pense que vous l'avez senti dans l'aventure, mais au final, ouais, vraiment infiniment content de tout ce qui s'est passé. Maintenant, il me semble qu'on a une scène post-crédit à suivre ensemble, donc je vais vous la montrer évidemment, et juste je terminerai en remerciant du coup toutes les personnes qui ont suivi l'aventure depuis le début, et qui sont des fois peut-être là en live, sinon qui ont envoyé plein de messages très cool dans les commentaires et tout ça, et vraiment, j'insiste, vraiment très content d'avoir pu découvrir ce jeu avec vous. Très content d'avoir encore été youtubeur pour cette époque-là. Parce qu'il y a des fois, je me dis, bon, est-ce que j'arrête maintenant, j'arrête pas maintenant, je suis toujours un peu en train de me demander. Et je cherche le bon moment pour le faire et la bonne façon de le faire aussi. Hein, mais en attendant, je profite parce qu'il y a plein de choses cool à vivre. J'avais vécu Elden Ring, à la fin d'Elden Ring, je m'étais dit, ça aurait été cool de terminer par ça parce que vraiment, c'était un peu le firmament de la chaîne. FF13, c'est très différent. Ah, Cédric Desvoyons. Mais quelque part, je suis très content d'avoir vécu, quoi. D'avoir vécu ce truc de partager comme ça ce Final Fantasy avec vous. Je pense que je serai pas là pour le 17, s'il y a un 17 qui sort. Mais en tout cas, celui-ci, c'était vraiment une belle épopée. Et donc, voilà, du coup, je pense que là-dessus, je vais pouvoir vous laisser pour les gens qui voient ça en VOD. J'espère que ça vous a plu. Merci encore pour tout. Et puis, du coup, bonne scène post-crédit. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous spoil un peu, mais il y a un FF13-2 qui devrait pas trop tarder, normalement, au moment où vous regardez tout ça. Allez, je file. Bye. Every time. Will you light it? Yes, Mother.
Come on. If only I had the flames for an icon. Icon? Have you been reading that silly story again? Magic belongs in fairy tales, and fairy tales don't boil kettles. You see? Well done. Now, be a good lad, and play with your brother until supper. Come on, hurry! Hurry! All right. Right, let's play the saint in the sectary. No, I don't want to be Madhu. What do you want to play then? War of the Icons. Again? Right. If I get to be Ifrit. Right, I'm the older brother. Because Bahamut says so.